Vas-y, tire! Tiens, attrape! Ah, je l'ai! Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis venu jouer avec vous. T'aurais dû nous demander la permission avant. Oh, bon, je vais vous demander maintenant la permission. Est-ce que je peux jouer avec vous? Maintenant, c'est trop tard. Va-t'en. Mais... Va-t'en, on veut plus de toi. Il m'énerve. Ils jouent toujours ensemble. Ils ne veulent jamais que je joue avec eux. Ils sont toujours tous les deux sans que quelqu'un vienne les déranger. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vas-tu, mon frère? Tu as l'air triste. Rien de grave, mais Sofiane et Yassine n'ont pas voulu que je joue avec eux. Leur as-tu demandé gentiment? Bien sûr. Pour qui me prends-tu? Je vais me venger d'eux. Il faut que j'imagine un plan machiavélique. Vu qu'ils sont toujours tous les deux, il faut que je réussisse à les séparer l'un de l'autre. Pour cela, je dirai à Sofiane que Yassine l'a critiqué et je ferai de même avec Yassine. Sofiane, je ne devrais pas te le dire, mais tu es mon ami, alors je dois te le dire. Tout à l'heure, Yassine a dit sur toi que... Yassine, je ne devrais pas te le dire, mais tu es mon ami, alors je dois te le dire. Tout à l'heure, Sofiane a dit sur toi que... À vos marques, prêts, partez! Aïe! Chah! Tu vas voir, comment oses-tu me faire tomber? Tu l'as mérité, c'est toi qui as commencé. Arrêtez cela tout de suite, vous n'avez pas du tout un esprit sportif. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Ils en sont venus jusqu'à se frapper. Je ne voulais pas autant leur faire du mal. Tout cela est de ma faute. Je regrette tellement ce que je viens de faire. Mais que vous est-il arrivé? Pourquoi avez-vous de telles blessures? C'est à cause de Yassine, il m'a fait un croche-patte en cours de sport. Non, c'est de sa faute. C'est lui qui a commencé en racontant des choses fausses sur moi derrière mon dos. Je n'ai jamais rien dit sur toi. Je ne ferai jamais ça. Qui t'a raconté ça? Bah c'est mon ami Karim. Il m'a affirmé que tu racontais des tas de choses derrière mon dos. C'est aussi Karim qui m'a raconté que tu me critiquais quand je n'étais pas avec toi. Karim, mais qu'est-ce que c'est que toute cette histoire? Je suis désolée, je regrette tellement ce que j'ai fait. Mais qu'as-tu fait exactement? J'étais jaloux de l'amitié entre Sofiane et Yassine. Alors, j'ai voulu les séparer pour qu'ils soient tous les deux mes amis. J'ai donc menti à Sofiane et Yassine en leur disant qu'ils se critiquaient mutuellement. Te rends-tu compte de ta faute? Oui, mon Halima. Je voudrais m'excuser auprès de mes camarades et je comprendrai qu'ils ne veuillent plus être mes amis. Yassine, Sofiane... Je suis sincèrement désolé. Ne t'inquiète pas. Nous acceptons tes excuses, mais promets-nous de ne plus recommencer. Je vous le promets. Soyons tous les trois amis à partir de maintenant. C'est bien, mes enfants. Mais savez-vous ce qu'est la calomnie? C'est le fait de rapporter à une personne des propos malveillants dites par une autre personne, dans le but de semer la discorde entre eux. C'est bien ça, Samy. Ce qu'a fait Karim, c'est bien de la calomnie, et j'espère que vous avez tous compris l'erreur qu'il a faite. La calomnie est pire que la médisance, car elle engendre la haine et nuit au lien d'amitié.